Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure d'industrialisation avec le professeur Fansworth et le faux mexicain déguisé. Ah, oh, ça va. Ouais, salut. Bonjour à tous. Bon. Là, ça doit être le moment où on est censé dire le nom de l'émission sûrement, voilà. Mais comme on l'a pas encore, pas de nom, hein. On a laissé un blanc pour l'incruste. On l'incrustera pas parce que c'est du travail, tout ça. Hein. Et puis, monter une émission, hein. Moi je prends le truc de Fraps, je coupe aux marques, et voilà. Hein. Ah, faut pas aller trop loin. Donc, alors, si nous en profitions pour raconter un petit peu en quoi va consister cette série, pour me le dire par la même occasion. Moi, je serais plutôt parti sur notre vie 5-6 fois en détail, mais... Aussi. Ouais, non. Alors, donc, du coup, on lance cette émission. Pourquoi ? On est sur Tekkit, sur un serveur Tekkit, avec une tripotée de mods. Notamment Industrial Craft, Buildcraft, Power, Forestry, Raincraft, machin. Ouais, la minimap là, normalement je sais pas si tu l'as activé sur le tournage, mais normalement ouais, vous devez si avoir si. Une minimap en haut à droite si c'est ouais, le cas. Qui peut être grosse minimap, petite minimap, grosse minimap, petite minimap. Là, ça c'est réglé. Voilà, voilà. Ensuite, il y a aussi Equivalent Exchange qui permet de faire de l'alchimie avec une pierre philosophale, tout ça, tout ça, transformer les ressources en d'autres. Voilà, donc. On a spawné dans le coin là, à côté d'un village, et on s'est dit que, compte tenu du mode et compte tenu du village qui est là, autant l'industrialiser quoi. Voilà. Et alors déjà, moi je vais commencer à avoir faim, donc je vais un peu piller leur récolte. Faisons quelque chose de tout à fait normal. Merci les testificates. Ouais, normal. C'est ça. Vive le testificate. On les aime bien. Ouais. Ah, ils vont pas se plaindre, hein. on va les loger un peu mieux, je pense, au fur et à mesure de, voilà. On va les chauffer. De cette aventure. On va les chauffer, ouais. Les exploser nucléairement aussi. Ah, ça serait à penser, ça, pour un final ou un truc comme ça. Quand on va changer d'habitation. Je propose de faire un petit problème technique chez les testificates. Centrale nucléaire construite à côté, évidemment. Ah bah alors, ça est-ce que c'est... J'ai trouvé la maison du zygote, il y a un sol en terre. Il y a un sol quoi ? En terre. Sympa. C'est chez zygote. Ah ouais. Ah non, va falloir qu'on fasse quelque chose hein, ces maisons, parce que ouais, sérieusement, ils savent pas même, décorer. La moitié n'ont même pas bon. De porte. Ouais. Ah, je me sens déjà chez moi, c'est tout vide, c'est tout moche. Bon, par contre... c'est pas le tout, mais début de Minecraft, faut quand même aller chercher du bois, tout ça quoi. Ouais, bah y'a un minimum juste à côté. De. Bah ouais, c'est ça. On va y aller tout de suite. Moi j'y suis, j'y vais en tout cas. Ouais, moi aussi. Je te suis. Je visite chez Testificate. Oh, du charbon. J'ai trouvé Testificate Table de Craft MD. Ouais. Donc j'ai fait 3 pas. Alors. Sais-tu si. S'il y a World Edit et si la hache va bugger. Oui, il y a World Edit, donc oui, la hache va bugger. Ok, donc faut qu'on se fasse une pioche et qu'on récupère 3 stones rapidement, ouais. Histoire de se faire une hache. Sauf que encore une fois, je vous ai perdu. Alors oui, il y a aussi Tricapitor, normalement, si je me trompe pas. Ouais. Et on doit pouvoir découper les arbres à la base, un peu comme dans Terraria. Alors... Recherchons Fansworth et le parasite. J'ai fait une table de craft derrière toi. Mais je vous ai perdu. Ah cool, merci. Genre il y a deux endroits où on peut aller chercher du bois et je suis sûr que j'ai été visiter les deux autres. Forcément. Je te ramène de la... Ah voilà, je te vois. C'est bien parce qu'il y a de la... Un peu de pierre. Il y a du caillou en surface, tout ça, c'est vraiment plutôt pratique. Ouais, la stone en surface, ça va être bien, ça. Hop. Moi, je replante les arbres parce que c'est bien.
Ah oui, quand même, quand on ouvre l'inventaire, c'est quelque chose, effectivement. Et tu peux le désactiver avec O. Je vais le faire de suite, même, d'ailleurs. D'ailleurs, je te conseille de le faire. Je vous fais des pioches, voilà. Des haches, pardon. Des haches en pierre. Ouais, ça serait bien. Hop. J'en fais 3. Hop. Tiens. Merci. Et j'y peux être. Hop. Merde. Alors, est-ce qu'il y a Tricapitor qui fonctionne? Oui. Merci. J'ai balancé une hache derrière toi. Je sais pas si Zygote aussi, mais moi je te capte assez mal. Ouais, je suis un petit peu par Skype là, ouais. Il bug un petit peu. Oh, il y a plein de moutons, donc du coup, dès qu'on va trouver du fer, on va pouvoir se faire des lits. Je galère un petit peu sur Skype, je vais regarder si j'ai pas du. La bande passante qui est occupée par un truc. Qui ne devrait pas. Hop. Ah bah, voilà. Non, y'a rien. Ah, cette ambiance de folie entre les grillons, les criquettes, le vent, c'est magnifique. Ah, ça c'est Matmos, ça. C'est un autre mode qui rajoute des sons d'ambiance. Au moi je suis pas moment, super ça fan. Ça va t'énerver. soyons honnêtes. Bah, moi je suis pas super fan en fait. Rajouter des sons de trucs qui existent pas, ça me saoule. C'est un peu énervant au bout d'un moment, ça devient assez embêtant. Ah, j'ai un petit gisement de charbon, si ça peut aider ici. Ah bah ça, on va en avoir besoin beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup. À peu près 1 million de stacks. Ah bah ça va. C'est à peu près c'est ça. Le début de la richesse alors. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Y a pas de petit profit. Ah? Déjà? Zut! Il y a déjà des vilains pas beaux. Oups, j'ai fait une. Ah non, j'ai fait une pioche. Ça lag un petit ah peu. Ah oui, zut! Il fait nuit. Au secours! Bon bah, je te fais une épée alors. Tiens. Non mais. Meurs, vile créature! Tiens, je te vomis une épée dessus. Ah. Hop, bah, je t'ai vomi une épée là où t'étais. Ah bah j'ai un pain si tu veux. Ouais vas-y, colle-moi un pain. Tiens. J'arrive pas à te les vomir dessus. Bah, j'ai plein de blé mais j'ai pas pensé à faire de pain. D'accord. C'est moins pratique. Alors, moi, y'en a qui voudront des pioches en pierre ou des épées en pierre ou quelque chose pendant et que j'y suis. J'ai une pioche en pierre et une épée en pierre donc ça va. Je sais pas du côté de Dreamfall. J'ai absolument rien, mais je suis en train d'en faire. L'épée, c'est bon. Si tu peux me faire une pioche, ça me va. Ouais, c'est fait, ça vient. Hop. Alors que je me souvienne comment on relâche. Drop, ok. C'est avec A ou Q, ça dépend si t'as un clavier français hop ou pas français. Ouais, j'ai changé W un peu la sur le clavier. Bon, je me suis trompé que sur le. Oh, j'ai pu me tromper sur le mapping du clavier, hein. Ça c'est tout à fait. Hein. En même temps, moi aussi, parce que je crois que je suis pas en config par défaut. Alors, est-ce qu'il y a une grotte dans le coin déjà? Je récolte un peu le charbon que je vois. Ouais, c'est vrai, il y en a pas mal à découvert là, donc c'est pas mal. On dirait qu'il y a eu une explosion par là. C'est un peu. Il y a un petit trou. C'est le désert du Nevada, ils faisaient des essais nucléaires ici. Ce qui explique les zombies aussi. Voilà. Et nous, notre but, c'est de les relancer, les essais nucléaires. Ouais, ça, forcément, on va finir par y arriver. C'est bien, parce que vu qu'on est à côté du village, c'est quand même hyper clair, même la nuit. Ce qui est plutôt bien. Hop. Ah, j'ai lutté pour les tuer, dis donc. Alors, je vais aller m'enfermer chez un PNJ qui a une table de craft. Normalement, il y en a. Il y en a un qui en a une, j'ai vu, je crois. Ouais, lui là, celui qui est près des escaliers, il en a une. Mais comment que ça se fait qu'il y a des diamants placé, à la surface là Des diamants? Ah non, c'est de l'apatite que t'as dû trouver. Ouais, ça, c'est de l'apatite. C'est quoi?
de l'apatite. Ça vient du forest rimmon et c'est ce qui nous sert à faire l'engrais. Ah d'accord. Putain, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des diamants. Ouais. Ah quoi, mais c'est un peu plus. Ça a pas la bonne couleur. Il y a pire. Hein. Il y a pire. Il y a la nicolite qui sert à pas grand chose. On la transforme en charbon avec equivalent exchange. C'est à peu près le seul truc à quoi ça nous sert. Ouais, c'est même plutôt pratique pour ça. Ouais. Et on peut aussi la transformer en redstone, je crois. Je sais plus. Mais bon, Grimful ou Asline. Allez. Ça, c'est fait. Voilà, on a perdu un. Ah, vu qu'on a toujours pas de fer, on peut pas encore. Y a du creeper partout, non? Ouais. Mais il faudrait trouver un peu de fer. Allez. Bunny hop, mode Quake Pro. Faudrait trouver un peu de fer. Oula, un peu de redstone. Y a du monde là derrière, y a des Endermen. Ah, les regarde pas. Non. Il y en a un paquet en plus. Boum. Oula. C'est rien, boum, je suis en vie. Boum, boum. Quand votre cœur fait boum. Rainfoul annonce sa présence. Oula, mais c'est que j'ai presque plus de vie, moi non plus. Bah, mange de la chair de zombie. Ouais. Et à part ça, y a-t-il quelque chose à manger? Ouais, de la chair de zombie aussi. Ah, c'est bien la chair de zombie. Peut-être ça rend malade, mais c'est pas bien grave. Ça ah, j'ai même pas de chair de zombie en fait. J'ai un peu de blé, y a pas quelque chose Bah, une table de craft et tu pourras le transformer en pain. Wouhou, hop, hop. Viens par ici, toi, avant. Alors, je suis en train de. Je me suis coincé le pouce dans au un creeper. Au secours clipper. Au secours, je suis poursuivi par une araignée belliqueuse. Je suis en train de regarder si je vois pas une entrée de grotte quelque part. Ah bah dis donc, il y a réunion là-bas. Il y a 3 zombies, un Enderman, 2 araignées, 3 ou 4 creepers et autant de squelettes. Allez, Yank. Ah, creeper dans le village. Ah, ça c'est pas cool ça. Ouais, explose pas mon village toi. Viens là par là. Alors là, ça va être très urgent. Poum poum. Et là, c'est le fail. Je vais remourir. Moi, je fais absolument rien. Les viewers pourront voir que je bouge d'un côté à l'autre en faisant. Je sers à rien non plus. Moi, là, je suis en train d'essayer désespérément de récupérer du bois parce que. Et de me faire une table de craft. Moi, je regarde où est la lune. Où est la lune? Je ne la vois pas. Elle est là-bas. Donc, ça va se lever bientôt. Là, les tables de craft, il y en a une qui traîne en haut là-bas. Il y en a une dans un des dans une des maisons des PNJ. Hop, récupérons quelque chose. Ah, j'avais oublié à canarder, voilà. Ah. J'avais oublié à quel point Minecraft était aussi stressant la nuit quand t'as rien, que t'es à poil. Oh, bientôt on va avoir un lit, ça va être mieux. Ça y est, ça se lève, c'est l'aube. Bon, par contre, là, on. Niveau industrie, on n'est pas encore au top. Hein. Non. Niveau survie, c'est déjà pas gagné alors. Ouais. Alors ne parlons pas de l'industrie. Bon, je pense qu'il va. Ah. Boum. J'ai rien. Ah, je sais pas. Mais... Bon, je pense qu'il va falloir qu'on aille faire un petit trou ou trouver une petite maison. Ah. Nous avons perdu quelqu'un. J'ai fait boum. Ah, c'est bien, il y a plein de marbre ici. Alors, ah, justement, je voulais faire une carrière ici pour pouvoir un peu dégager leur village là. Histoire de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Avec un peu de chance, il y a une grotte en dessous. Aïe! Un truc qui on se réorganise. Je vais me faire une pelle. Ah, il y a un squelette qui me canarde. Pareil. Mais arrête! Ah, j'ai plus qu'un cœur, je suis tombé.
Alors le marbre, il vient de quel mode, lui? De Red Power, c'est ça? C'est Red Power, ouais. C'est les arbres astiques et le marbre, je pense qu'ils viennent de Red Power. Ouais. Bon, ça sert à rien concrètement, à part là pour la déco, je pense. C'est ça. Ça sert vraiment à que dalle. Je vais aplanir un peu comme ça, là. Et on va leur faire du... Je vais faire... Je pense que comme première base, on va occuper celle où il y a la table de craft. Hein. Je pense, oui. Ça me paraît logique. Oula, il y a une grosse grotte en dessous. Ah, bah super. Viens voir là. Ah, super, une grotte avec du marbre. Une marbre. Alors, par contre, je ne sais plus où je suis mort. Ah, voilà. Ce serait dommage de perdre tout ce beau charbon. Tu peux mettre des... Je te conseille de mettre des waypoints sur la map aussi, hein. Alors je sais pas quelle touche c'est pour toi. Par défaut c'est virgule, il me semble. Weepoint. Je vais me faire une petite pelle. Matmos. Ah, j'ai pas trouvé. Parce que je sais plus c'est. Moi c'est virgule, mais je sais pas à quoi ça correspond sur un clavier français. C'est virgule aussi moi. Bon bah voilà, si tu fais virgule, il va t'ouvrir. Ah oui, virgule également, je confirme. Voilà, il va t'ouvrir un truc et tu peux mettre des points d'intérêt. Ou moi, on voit que j'ai un point d'intérêt village et un point d'intérêt pétroleum. Donc on ira visiter sûrement un peu plus tard. Voire beaucoup plus tard. Ouais, et un point d'intérêt. On a visité un peu la map. Volcan. On a visité un peu la map avant de lancer. Hein. Je vais essayer d'aller déposer le charbon avant dans les. Dans un coffre. Il y a déjà un coffre ou pas dans le village? Je vais en faire un. Ouais, c'est... Ouais, c'est ouais, mais c'était au cas où. Pour... Hop, alors là, dans la ville où il y a la table. Ouais. Voilà, la voici. Hop. On est peut-être pas dans la même alors. Je t'ai pas vu y rentrer. Ah, bah il y a une deuxième maison avec une table de craft alors. Nous on est dans la maison avec la table de craft, mais au bout du village en fait. Ah, alors, voyons voir. À côté de là où il y a le marbre. Le marbre. Oui. Coucou. Voilà, donc j'ai mis un coffre. Je la trouve sympa, cette petite maison. Il y a une petite table et tout. Ah, bah cool. On va un peu habiter dedans. Toi, par contre, si tu veux, tu peux habiter en face. Il y a un sol en bouse. Ah, oh, ça va. J'ai bien compris que vous vouliez pas de moi. Vous êtes tous méchants. Vous êtes des monstres. Bah, sur ce, je pense qu'on peut arrêter notre premier épisode. Si on est tous des monstres. Sur cette petite aire de Calimero. Voilà, vous êtes attends, monstres. On a arrêté. Ah bah oui, on va faire les riches quand même. Ça y est, hein, j'ai déjà crafté ce qu'il faut. Parfait. Mais il casse le sol, ça te manquait à la bouse ou quoi? Ah non, mais non, c'est parce que nous on est riches, tu vas comprendre très vite. Nous n'acceptons de vivre que dans certaines conditions. Ah, d'accord. Il y a des limites à ce qui est acceptable. Oh, ah oui, voilà. Alors c'est ça le marbre? Oui, nous on vit avec un sol en marbre. Ah, ça c'est les briques de marbre, donc vous prenez 4 marbres et vous faites une brique de marbre. Comme ça. 1, 2, 3, 4. D'accord. Alors, ça c'est un fail. Hop. Tada. Voilà, donc ça bienvenue chez déjà nous. Ressentir quelque chose. Bienvenue chez nous. Et on n'a plus de porc par contre. C'est pas la plèbe ici, hein. On vit que sur du marbre. Et ces murs en stone alors, vous allez transformer en quoi? En briques de diamant? On mettra de la brique de basalte, peut-être, on verra. Ouais, si on en trouve, ouais. Alors, attends, parce que là, ça ressemble à rien, notre entrée, là. Il faudrait peut-être qu'on fasse un espèce de pseudo-escalier. Et j'ai fait ça un peu, comment dire, un peu à l'arrache. Je pense que c'est ce qu'on pourrait dire. C'est bien dommage qu'on puisse pas faire d'escalier en brique de marbre. Ouais, bah moi, je suis très déçu aussi. On était écoute-moi super cet aristocrate. Ouais, mais c'est vrai quoi. Nous on vit dans du marbre. Non, on peut vraiment pas, ça me saoule ça. À faire évoluer dans le mode. Hein. Ah, ça lag à moitié. Ah, moi, chez moi ça va. Moi j'ai des blocs qui réapparaissent. Ah oui, ça y est. Oula. Voilà. Ah oui, pareil. Effectivement. Alors, il y a quand même une grotte là-dessous là, je propose qu'on y aille. Je propose qu'on ça, arrête l'épisode et qu'on continue dans la grotte. Juste ici, dans la grotte. Ouais. Ok. Oh yeah. À plus tard. À plus.